L'idée, c'est de dédramatiser l'événement, mais en même temps, bien faire sentir aux joueurs que c'est un moment privilégié dans sa carrière et vraiment un moment privilégié pour marquer les esprits. Donc il faut que, en tant que mec et en tant que joueur, chacun soit au très haut niveau. Comme vous voyez, on est assez détendu, mais à la fois impatient d'être à vendredi. Voilà, ça va être un beau match, donc pour le moment, tous les voyants sont en vert et voilà, on rigole, on profite du moment. Il n'y a pas une pression particulière. Après, c'est sûr que c'est ce genre de match, on a envie de les jouer, on se prépare bien. Parce que c'est des matchs qui restent, on va dire, dans les mémoires. Des derbies comme ça, on n'a pas l'occasion d'en jouer tous les jours. C'est, on va dire, c'est un match qui sort un peu du contexte de championnat. Donc, ce sera vraiment une belle fête au niveau du football alsacien. Donc, ça sera à nous de répondre présent. Et puis voilà, mais bon, pas d'appréhension particulière. Il y aura de l'ambiance, ça c'est une évidence. Mais bon, Colmar connaît la méno. Ils ont eu la chance de gagner là-bas face à un stade de comble. Donc, la sauce, ils la connaissent et je pense qu'on va réaliser un gros match. Un petit peu d'inquiétude par rapport au fait qu'on est dans une période un petit peu compliquée. Donc ça peut être bien, ça oblige tout le monde à se remettre en question. Et puis il y a aussi l'envie de bien faire, l'envie de prendre une revanche sur le dernier match qui a été loupé. Donc je sens une bonne petite pression, la petite pression, mais pas celle qui inhibe, mais celle qui doit permettre d'avancer.